En 1922, la représentation de la lutte entre l'ombre et la lumière dans un noir et blanc très contrasté a montré l'opposition morale ou religieuse du bien contre le mal. On n'est jamais aussi sombre que quand on croit à la lumière. La projection des désirs et de la culpabilité est revenue sous nos yeux en 1927, dans le combat intérieur d'un homme tiraillé entre les vertus de la campagne et le vice de la ville. Tous deux incarnés, d'une part, par la femme blonde, solaire, épouse aimante et maternelle, et la femme brune de la nuit, la vamp désirable et envoûtante. Manifestation du pouvoir d'attraction de la Lune. Le cinéma donne encore à voir quelques années plus tard la noirceur de la lumière, qui projette vers l'extérieur son double, sa part d'ombre, ses peurs dans une sombre silhouette annonciatrice du drame à venir et de l'armée des ombres, comme un signe inquiétant qui s'imprime sur le linceul d'un écran de cinéma. Quelques temps après, les hommes méchants revinrent et... Et la lutte de l'ombre et de la lumière redouble alors pour cette fois et pour toujours le combat entre la main gauche de la haine et la main droite de l'amour. Le double maléfique, le reflet ou l'ombre qui dédouble le personnage s'affranchit alors des corps réels qu'il représente. L'ombre, image projetée, se libère des fantômes et des fantasmes, des peurs et des désirs. Et l'imaginaire vampirise le réel, pour nous montrer un monde inversé, un monde à l'envers, ou bien, sur l'autre rive, l'envers du monde, sa face cachée. Dans les pouvoirs de la nuit et de la salle obscure, les fantômes prennent vie. La fiction se nourrit du sang du réel, elle n'en est pas moins vraie. Les apparences sont aussi vraies, et même plus que le monde matériel auquel on prétend borner la vie. Pour le cinéaste, ce que l'extérieur imprime en lui, il l'exprime de l'intérieur. Et si l'écran reflète le réel du moi dans ses aspirations, le vampire, lui, n'a pas d'image dans le miroir, puisqu'il est déjà un reflet, une projection. Le monde des fantômes apparaît alors comme une métaphore du cinéma. Le pouvoir des ombres s'estompe et disparaît quand la lumière de la salle se rallume et illumine de sa blancheur l'écran démoniaque. Le vampire a besoin de la nuit, comme le cinéma de l'obscurité de la salle. Dès qu'il eut passé le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. Ce carton de Nosferatu, phrase fétiche et symbolique d'un rapport au cinéma, dans un double mouvement du spectre et du spectateur. Franchir le pont, traverser le miroir, plonger dans la fiction, mais aussi venir à sa rencontre. Le passage du spectateur entre le monde réel et celui de la fiction, projetant ses rêves et désirs sur la toile blanche du royaume des ombres, et dans un mouvement inverse, l'envahissement du réel par l'imaginaire. Robert Desnos, en 1928, écrivait « Né par la grâce de la lumière et du celluloïd, des fantômes autoritaires s'assoient à notre côté dans la nuit des salles de cinéma. Le film s'achève, l'électricité renaît et le fantôme sort de la salle au bras du spectateur. »